Après l'hommage collectif, place à l'hommage individuel. Ce mardi 14 novembre, sur son compte Instagram, l'acteur Matt LeBlanc, qui interprétait le personnage de Joey dans Friends, a posté un émouvant message en la mémoire de Matthew Perry. Tous deux se sont côtoyés lors des tournages de la série culte, puisque l'acteur décédé le 28 octobre dernier avait accédé à la célébrité avec son personnage de Chandler Bing, avant de rencontrer des problèmes d'addiction. À ses 9,4 millions d'abonnés, Matt LeBlanc a donc fait état, le cœur lourd, de sa tristesse, et formulé simplement un adieu à son ami. Matthew Perry s'en est allé, laissant chez son compère américain de 56 ans des souvenirs à tout jamais. Ces années passées ensemble comptent sincèrement parmi mes années favorites de toute ma vie, a ainsi écrit Matt LeBlanc sur Instagram, ce mardi 14 novembre. Pour étayer son propos, il a joint plusieurs clichés teintés de complicité issus de Friends. C'était un honneur de partager la scène avec toi et de t'appeler mon ami. Je sourirai toujours en pensant à toi et je ne t'oublierai jamais. Jamais, a-t-il continué, avant de conclure son hommage par une touche d'humour, j'imagine que tu gardes ces $20 que tu me devais. Matt LeBlanc, l'acteur a bien changé depuis Friends. L'hommage commun des acteurs de Friends à Matthew Perry. Matt LeBlanc avait déjà réagi publiquement au décès de Matthew Perry. C'était deux jours après la disparition de l'acteur, le 30 octobre dernier, dans une déclaration commune transmise à People et partagée aux côtés de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow et David Schwimmer. Nous sommes tous dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples acteurs. Nous sommes une famille. Il y a tellement de choses à dire, mais pour l'instant nous allons prendre un moment pour faire notre deuil et digérer cette perte insondable. En temps voulu, nous en dirons plus, dès que nous en serons capables. Pour l'instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qu'il aimait dans le monde entier, pouvait-on notamment lire. La famille Friends s'est finalement retrouvée, unie, lors des obsèques de Matthew Perry, le 3 novembre dernier, à Los Angeles en Californie. Crédit photo, Action Presse. Just need